Yo tout le monde, c'est Retox. Aujourd'hui, on se retrouve en tant que hacker, une nouvelle fois sur le serveur d'Uranium avec nos potes Jordan et Aaron, comme d'habitude, la famille. Comment vous allez, les gars? Ça va et toi? Ouais, bon, nickel. Nickel. Top. Bon, bah, c'est parfait alors. Alors, du coup, aujourd'hui, la mission, elle est toute simple. On est en hacker. Vous êtes tous les deux mes mercenaires. Jordan, le pro sniper, et moi, du coup, au niveau du hacking. Toi, t'es le pilote, du coup, Mathieu, comme d'habitude? Ouais, c'est ça. Ça te va? Bah écoutez, parfait. Ouais. Nous, on s'est trouvé un petit hangar bien sympa. Je pense qu'on a juste besoin d'aller hacker le petit ATM qui est en face. Et on va bien voir ce qui se passe, quoi. Vous êtes lourdement armé? Vous avez ce qu'il faut? Ah, t'inquiète. Ouais, clairement, j'ai ce qu'il faut. Ok, bon bah nickel. Moi, j'ai un petit Glock, la base, c'est parfait. Hop, on va ranger ça tout de suite. Non, non, je vais le garder en main. Du coup, ce qui sera intéressant, peut-être, vu que toi, t'es au sniper, ce serait que tu te mettes sur un hangar, Jordan, je pense, non? Ouais, ça serait le mieux. Tu sais, c'est l'ATM qui est là-bas, donc au final, faut ouais, que t'aies un angle. Je vais mettre derrière. Ça roule. Et puis, bah, dès que t'es au-dessus, tu nous dis dès que t'es en position et nous, on revient te chercher une fois que c'est hacké, quoi. En espérant que les flics nous tombent pas dessus directement. Ok, parfait. Bah, écoute, vas-y, garde-toi là. On va commencer à hacker. Je suis en position, les gars. Parfait. Et bah, écoute, c'est parfait. On est chaud, il y a pas mal de monde de connecté, donc il va falloir être prudent. Hop. On le met combien de temps? 2 minutes. Ça vous va? 2 minutes 30? Ouais. 2500 de revenus, ça vous va? Ouais. Allez, hop. Eh ben écoutez, c'est parti. On sort l'arme. Je vais guetter du côté de la place. Ouais, vas-y, ça marche. Nous, on guette du côté de la station essence. On va bien voir ce qui se passe. Hop. Eh ben écoutez. On va peut-être mettre un message en anneau. ATM. Ils arrivent. Vas-y, laisse tomber. Non, laisse-les passer, faut qu'ils se barrent. Je vais aller voir. Ils ont pas l'air de décider. Allez, tracez les gars là, tracez tout droit. Barrez-vous, on n'a pas le temps. Allez. Putain, ils ont l'air chauds quand même, ils ont eu du mal à comprendre. Non, c'est bon, ils sont en train de passer, laisse les filer. Ils ont compris qu'on est là, ouais, on va essayer de faire rapide. Oh, t'inquiète. Non, pour l'instant, le death. Hop. Tout se passe bien de ton côté, Jordan? Non, bah laisse-les, c'est pas grave. Tant que c'est pas dérangeant. Hop. T'entends tirer d'ici. Non, vas-y, laisse-les, menace pas trop parce qu'après ils vont faire des shows et ils vont revenir directement. Il n'y a pas besoin de crever un pneu pour le moment, on va pas mettre des vies en danger inutiles, ça sert à rien. Après on se barre à la station essence, les gars. C'est juste à côté. Le commissaire qui nous surveille. Ouais, je le vois de là. Ok. S'il sort ton angle, je vais tirer dessus. Alors faut peut-être que je protège de l'autre côté parce que ça commence à être chaud d'ici là qu'il y en a un autre qui arrive. Putain, il y a masse de flics en plus. Masse de flics en ville. On va bien voir comment ça se passe. Bon, dans tous les cas, on revient dans ce hangar là. Hein. J'ai bien fait de laisser ouvert. On aura le temps de venir se protéger. Putain, l'ATM est tellement long. Il y en a plein de flics. Ouais. J'avais pas remarqué tout ça, moi. J'espère ils sont pas tous aussi chauds que les autres là. Bon, on verra bien. Bon, tenter, je sais pas ce que font les flics là-bas, mais. Ils rentrent la voiture dans la. Ok, bon, bah, écoute. Après, j'ai pas les yeux sur eux là. Bon, ouais, tant mieux s'ils gardent leur position à ce niveau-là, c'est parfait. Fais voir, Jordan, où est-ce que t'es toi? Ouais, ouais. Tu vois sa petite tête là, son toit. Ah, ouais, je te vois sa tête. Il y a un arbre juste derrière, mais ça va, c'est discret quand même. Hop, c'est bon, je crois que l'argent arrive, les gars. C'est parfait pour descendre dans la recherche. Ouais, Jordan, vas-y, descends, mets-toi derrière le hangar, on va arriver, c'est bon, j'ai l'argent. Hop, 2500, parfait. Je remonte en bagnole. Ah merde, il faut que je récupère le truc, quoi. Sinon, je pourrais pas hacker les autres. Hop, garder l'arme en main. C'est bon, vas-y. On va chercher Jordan. Et Jordan, c'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y, monte avec nous. Ah, t'as quand même réussi à faire le tour. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, allez, station essence, du coup, les gars, c'est le mieux, hein? Ouais, ça marche.
Ok, comme ça on a juste besoin d'aller tout droit. Et on va voir ça. Hop, ouais, fais gaffe au radar histoire de pas te faire tirer. Il y a des bûcherons, hein. Vas-y, garde-toi juste devant ATM comme ça. Parfait. Allez hop, moi c'est bon, je descends, Jacques direct. Allez prévenir le bûcheron de s'éloigner. Hein. Ouais. Allez-y les gars, moi je prépare. On remet 2 minutes. Ouais, on va mettre 2 minutes cette fois-ci. Hein. Ça va être un peu plus court parce que là les flics ils sont tous alertés. Allez, hop, 2000, 1 minute 43. C'est bon, c'est parfait, c'est en train d'acquérir. Jordan, t'es en position? Ouais, nice. Oui. Nice, nice, nice. Bon, t'hésites pas à leur crever les pneus. Hein. Dès qu'ils arrivent au niveau du radar, on sait pas par où ils vont arriver, mais s'ils viennent du côté des radars, tu leur crèves les pneus. Hein. Ah, maintenant. Ils sont vers où? Ah, là. Ah. Ok. Ok, c'est chaud. Vas-y, faut exposer à leur voiture, là. Au moins, ils feront moins les malins. C'est bon, je leur ai crevé un pneu. Oh là. Faites gaffe, ils nous tirent dessus, hein. Faites gaffe. Ah, c'est chaud là. Hop là, c'est bon la voiture, c'est bon. Ouais. Recharger, restez planqué. Hein. Restez planqué, je pense qu'il reste pas longtemps là. J'en ai touché un, j'en ai touché un, j'en ai touché un. Ouais, pareil. Ouais. C'est bon ? Y'en a un qui se casse derrière là. Y'en a un qui se casse derrière là. Ok. Le bûcheron il est caché, il fait pas le malin. Regardez, regardez les bûcherons, ah, comment ils font pas les malins. Ça arrive de l'autre côté, je crois. Ça arrive bon. De l'autre côté. Je me sens bien. Par contre, j'ai essayé de me mettre à découvert. Non, de l'autre côté, pour le moment, c'est vide. Ok. Il y a un flic qui est passé à droite, je crois. Un flic qui est passé à droite? Pas sûr. Ah oui, effectivement. Oh ah ouais. Merde. Bah, je l'ai tué. Bon, bah, écoute. Ah ouais. Ah une vie en moins. Les flics vont venir sur nous maintenant. Là, c'est chaud. Bon, écoutez, l'ATM ça va être bon. Remonte en voiture, Mathieu. Remonte en voiture. Ouais, t'en mets pas, c'est bon. Il y a des tirs, il y a des tirs, je sais pas si c'est ça, les gars. Je suis hors service. Bah ouais, c'est bien qu'il soit hors service, mais il est où le pognon? Ça a pas marché, ça a pas marché. Ça a pas marché, on doit remonter en voiture. Vite, vite, vite. Ouais, je me suis pris une balle dans la jambe, les gars. Ah, chaud. Vas-y, faut qu'on se casse, faut qu'on se casse. Et on a pas réussi à avoir l'argent, ouais. L'ATM il a pas fonctionné là. Bah écoute, on retourne au hangar directement, on va aller se poser parce que. Tu veux qu'on entende un là, ceux dans le casino? Vas-y, va au casino. Va au casino tout droit, ouais. Ça va être aussi simple. Ouais. C'est un petit endroit en plus. Tu te gardes devant sur le parking, je vais mettre un petit temps, on le fait ça en speed et on se barre. Hein. Par contre, va falloir faire attention, hein. C'est juste à côté du commissariat. Sortez bien les armes. C'est déjà des voitures, Hop. Là par contre, c'est pas grave, on tire à vue, hein. On tire à vue. Ah oui. Hop. Je mets combien de temps? Là je vais pas le mettre longtemps, hein. Je vais pas faire le fou, hein. Je vais le mettre. Essaye une minute. Essaye de prendre toute la ligne jusqu'à la banque avec ton sniper. Hop là, parfait. Je suis dedans les gars. Ça c'est bien cool. Attends, ces petites machines à sous ici. Vas-y, vas-y, je gère la ligne de la ligne du commissariat. Vas-y de l'autre côté là où avec ton sniper. Écoutez, on en a pour une minute, ça devrait bien se passer. On va essayer de faire les tirs de formation. Par contre là leur petit véhicule, si ça tenait qu'à moi, je leur creverais, ouais, voilà. Ok. Alors montrer qui c'est les chefs. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on a croyé bien. Ok. Je guette à l'intérieur les ATM. Hein. Je suis T'as fait chier qu'il ait pas fonctionné, les gars. On va s'être fait seulement 3000 balles. Ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est sûr. Bah, vu le nombre de flics, on peut bien se permettre. Hein. Ça fait du chier pour leur famille au final, mais s'ils veulent jouer au con, on n'a pas le choix. Hein. Ouais. Surtout qu'après, on va avoir un avis de recherche sur nos têtes, et ça, c'est pas bon. Non, c'est vrai. Ouais. Toujours rester très discret. Mais, ils ne connaissent pas nos visages, ils connaissent que leur voiture. Putain, il a pas fonctionné, il a pas fonctionné. On en retente un autre. Allez, c'est reparti. Vas-y, c'est bon, là, on a la position. Hop. Allez, 56 secondes, les gars. Tant qu'ils arrivent pas, moi je vais jouer un peu aux machines à sous. Hein. Guettez bien, les gars. Hop. Ah ouais, à ce point-là. Par contre, j'étais con. Le commissaire a pas l'air de vouloir. J'ai gagné 2 tours gratuits. Bah, bravo.
Ok les gars. Vas-y, vas-y, tu vois. Abat-le. Il a pas fonctionné? Pourquoi il a pas fonctionné? Putain, il fonctionne pas. Là, c'est vraiment hallucinant les gars, sur 3 printers, il y en a que 2 qui ont fonctionné. Décale-toi, faut le tuer. Non, arrête de buter sa voiture, il va faire le malin. Bon écoutez, les ATM ça fonctionne pas, je commence à en avoir marre, on se barre les gars, tant pis, hein. Moi je vous donnerai ma part, on a pris trop de risques. Allez, on se casse. Montez, on va se bloquer au hangar les gars, c'est pas grave. Ah merde, c'est moi qui conduis, ok. Je pensais que t'avais le volant, Mathieu. Allez, on va aller se planquer, on va se mettre en sécurité parce que là ça craint trop. C'était moi ou... Oui, effectivement, c'est bien les flics derrière. Merde. Oh là là. Sortez. Faut virer. Allez, ça dégage. C'est bon, remontez. Putain, j'ai réussi à bloquer la bagnole. Oh! Allez, remonte. Je suis coincé. Bah, t'es où? Je suis sorti de la voiture, en fait, tu passes dans le truc. Ok, bah, vas-y, laisse tomber mon patin, salut. Hein. Ça va être aussi simple là. Hein. Essaie de te sortir, tu me dis dès que t'as réussi à t'en sortir, on fait un demi-tour. C'est bon. Vas-y, j'arrive. Ah oui, ils sont garés là. Bah, attends, on va chercher notre pote. Non, on t'abandonne pas, mec. Vas-y, monte. Bah, au pire, j'ai un appartement pas loin des. Rouge. Non, t'inquiète, on va s'occuper de la voiture de police. Regarde-les comment ils sont malins. Allez, hop, on sort les gars, on sort. Allez, barrez-vous, je vais pas au plus malin là. Sors de là. Prends-lui les pneus. Crève-lui les pneus et puis on se casse. Hein. Je vais chercher la voiture les gars. On l'a laissé trop loin, faut faire attention, faut pas perdre de temps ici. Passe pas devant moi. Allez, on monte les gars. Allez, on monte. C'est bon, y'a tout le monde? Y'a tout le monde là? Putain. Bah ouais mec, mais quand je dis monte, faut monter aussi. Hein. Là on perd du temps. Allez. Grave. Allez, mon dieu. Pire qu'un papy le mec. Yonk. Allez, on va se bloquer vite fait dans le bâtiment là, il y a encore une voiture de flic devant. C'est moi ou il y a encore une voiture? Ah, il y a encore une voiture là. Bon écoutez les gars, c'est pas grave, moi je range la voiture ici. Sur le côté. Tu es le flic hein, on cherche pas là les gars. On le tue? Ouais, on le tue. Parti. Ouais, c'est bon, hop. C'est bon. Bon, par contre, là, ça craint, les gars. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici. Tenez, moi, je vais vous donner ma part. Je suis désolé, les gars, mais là, 3 ATM qui fonctionnent pas sur 4, c'est mort, quoi. Tenez, je vous donne 1500, du coup, c'est tout ce que j'ai tiré. Je prends pas de grade, j'ai tout perdu au casino en voulant jouer au malin. Du coup, partagez-vous ça. Et ce qu'on va faire... Comment? Non, c'est bon, t'inquiète, j'aurais pas besoin, j'ai tout perdu au casino, c'est pas dérangeant. Moi, je vais me faire discret pendant un petit moment et t'inquiète pas, je retrouverai un autre business qui sera rentable. Dans tous les cas. Moi, faut que je passe voir le médecin parce que ma jambe, elle commence à me faire mal. Ça marche. Bah, dans tous les cas, mec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Et puis, on va reprendre chacun nos chemins séparés et on va essayer de s'en sortir et de rester discret le maximum. Je crois que c'est le mieux. Ok. Bon bah écoutez les gars, c'était quand même une belle mission, beaucoup d'adrénaline, malheureusement peu de rendement, c'est bien dommage parce que j'ai jamais vu ça quoi. 3 ATM qui déconnent, franchement mon truc il était pas au point quoi. Et bah écoutez, on se dit à plus tard les gars, moi je vais ranger mon arme dans le sac à dos directement et puis c'est bon, on arrête à ça. Hop, sac à dos, et voilà. Bon allez, je vous souhaite bonne soirée les gars, faites attention à vous et soyez prudents pour la suite. Hein.